Yo les gens, ici Rafi Sassan de 1650. On se retrouve pour la cinquième et dernière vidéo pour la présentation des nouveaux véhicules arrivés avec la mage 1.40 sur Gran Turismo Sport. Donc là on va tester la Red Bull X 2019 compétition. Donc avant on avait la 2014, mais là ils ont rajouté la 2019, donc celle de cette année. Donc je sais pas si c'est des véhicules qui existent ou pas, ou c'est vraiment des véhicules créés que pour le jeu. Donc je saurais pas vous dire, j'ai pas plus d'infos sur cela. Donc c'est parti, on va faire un petit tour de Sandbox de ce véhicule. Donc à mon avis, je pense qu'elle peut être bonne première du classement parce que vu la puissance qu'elle va avoir. Donc là elle est toute banale, elle est toute noire, on a Red Bull, mais on n'a pas le skin Red Bull comme la boisson quoi. Oh c'est quoi ce bruit là? Oh putain, c'est un avion de chasse ou quoi? Waouh! Wow, la puissance qu'a d'avoir la caisse! Donc déjà, on atteint les 816 chevaux, c'est tout? Oh, elle est pas aussi puissante que ça! Bon, là, on va peut-être la mettre au milieu. Hein. On va la mettre un peu plus. Voilà. Course tendre. Course tendre, ok. Bah, c'est parti, de toute façon, du coup, on va bien voir ce que ça donne. C'est parti! Allez. Attendez, attendez, hop, 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 calme-toi, 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 oh là là, putain. C'est quoi cette caisse? Donc du coup, on commence par le tour de piste, donc la présentation du véhicule déjà. Donc là, on a la vue, hop, derrière ça donne ça. Oh, attendez. Ok, l'intérieur, ça donne quoi? Comme ça, ouais, pas mal. On va essayer, hein, c'est parti. Hein. Ah, t'es l'air pas, hein. Ah oui, c'est pas la nervosité là, c'est de la rage. Oh, oh putain. C'est quoi cette caisse? C'est un missile sur roue quoi. Le bruit qu'elle fait, putain, le méchant bruit. Oh là là. Ah là. Une Formule 1 à côté, c'est de la... Oh putain, puis attends, elle fait de mal. Hein. Une Formule 1 à côté, c'est de la mignotte. Hein. Oh là putain. La bagnole elle va tellement vite qu'elle tremble. J'imagine même pas la ligne droite pour ce qu'elle va donner. Et elle tremble la bagnole tellement elle est puissante. Oh là là. 260. Oh là là. Ça va, elle a de bons freins quand même. Elle a bonne repartie quand même. Bah l'intérêt parce que si là c'est pas du. C'est des freins en céramique là qu'il faut parce que pour bien freiner c'est pas du en métal qu'il faut. Hein. Putain! Parce que les 300 on atteint. Ah elle va battre le record de tous les records elle. Après pourquoi pas faire une petite comparaison entre la 2014 et la 2019, ça peut être pas mal aussi. Hein. Bah franchement elle se conduit bien. Vu la puissance qu'elle a, franchement. Après c'est une voiture qui est puissante, alors du coup, elle est bien, elle a une bonne adhésion au sol. Et une bonne tenue de route. Ah mais franchement, elle a vraiment sûr que la bagnole faut tourner. Hein. Faut freiner quoi. Bah dites-moi dans les points commentaires si vous voulez que je fasse une comparaison entre les deux. Pourquoi pas faire un tour de chrono entre bah les deux avec celle-là et faire un tour de chrono par exemple avec l'autre véhicule. Ça peut être pas mal. Ça va faire un premier chrono avec l'autre, avec la 2014, sauvegarder le fantôme, admettons. Et pourquoi pas faire un circuit, voir si celle-là rivalise ou à là-bas quoi. Est-ce que t'as vu comme ça? Pour après ça un petit peu la rue. Par contre là on entend bien le moteur. Là ça rugit quoi. J'adore le bruit franchement. Je suis fan.
Je suis fan du véhicule. Heureusement que c'est pas un véhicule qu'on a payé. Hein. C'est ça qui est bien avec Gran Turismo, c'est que des mises à jour gratuites, c'est ça qui est super bien quoi. En fait, vous payez le jeu prix fort au début, mais après vous avez des contenus gratuits quoi. Après, rien ne vous empêche d'acheter les véhicules. Hein. Si vous voulez pas dépenser les 3 millions, vous pouvez tout dépenser. Je sais pas combien à vaut en argent. Ouais, ouais, ouais. Tout à vaut peut-être dans les 1 euro, peut-être 1 euro grand neuf. Oh, la caisse de malade. Oh putain. La Don't Chasse. Moi je voulais l'appeler la Don't Chasse. Hein. J'ai vu la patate qu'elle a. Je suis sûr qu'elle va plus vite que le TGV quoi. Peut-être pas quand même, mais. Le TGV, je sais plus c'est combien de kilomètres le TGV. Mais elle a une bonne conduite en plus, elle dérape pas. Elle tient bien la route, elle accroche la voiture. Hein. Par contre, les pneus doivent bien suivre, hein, putain. Vous faites un tour de Nürburgring et vous avez bouffé vos pneus. Hein. Je crois que c'est la Enzo Ferrari qui tient le record, je crois, ou la Ferrari. Je sais plus c'est laquelle. Je sais que c'est une Ferrari qui tient le record, il me semble. Allez, bah, il va être pulvérisé le record, là, c'est obligé. Et là franchement la voiture elle se conduit toute seule quoi. Pas toute seule mais voilà quoi. On dirait que j'ai pas de difficulté à la conduire quoi. Il y a presque pas de sortie de route depuis quelques temps là. Quand vous êtes bien concentré ça va quoi. Franchement, chapeau bas franchement à Polyphony Digital de rajouter cette voiture là. Putain c'est une bombe. Bon merci franchement, des grosses dédicaces à vous. Vous avez fait un super boulot. Même s'ils ont peut-être rajouté quelques trucs sur la version 2014, que je vois, il n'y avait pas grande différence. Hein. Peut-être juste changer le nom. Hein. C'est poil. Là, pour ce que la ligne droite, on va se faire plaisir, les gars. C'est bientôt prêt, c'est bientôt. Prochain virage, ligne droite, tout bonsaï, on y va. Allez, c'est parti. Bientôt, bientôt. On accélère. On y va, tout le monde. Bon, putain. Oh là là, 250, 260, 210, 280, 290. Le 300 km va le faire. À fond là. Oh je suis déçu là. km/h. Oh putain la puissance. Est-ce qu'on va faire moins de 7 minutes? Va-t-elle le faire? Va-t-elle le faire? Ah l'arrière, j'aime bien l'arrière. Quand ça freine. Oh non! Non! Comment on fait? Oh non! J'ai la poisse! Pète la gueule dans les stands. Oh putain. Bon bah tant pis. Hop! 7 minutes 07. Ah la poisse le dernier. Oh là! La poisse. 7.07, 416 centièmes. Putain. J'aurais pu faire moins de 7 minutes. Bon elle est classée combien du coup? Bon, d'être bien classé quand même. Elle est même pas première. Ah bah de toute façon, j'aurais pas pu la battre. Donc la première, c'est la 962. C'est donc cette Porsche qui était arrivée dans le DLC le dernier, l'avant-dernier, je crois. Le DLC qui est sorti le 1.38, il me semble. Elle est arrivée avec 6.47. Donc là, elle a même pas battu quoi. Wouah, hallucinant.
Bon, ben voilà. Je vous ai enfin présenté les 5 véhicules. Donc j'espère que cette dernière vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis prochain pour la prochaine vidéo. Toujours commenter, partager mes vidéos. Donc moi, je vous dis une prochaine. Salut, bye bye. Portez-vous bien. Peace.